Au cœur du peloton engagé sur le Trofeo Binda en Italie, Charlotte Bravard. Comme toutes les cyclistes de FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, la championne de France participe à l'épreuve au guidon de son vélo de rechange. Dans la nuit précédente, le camion atelier de l'équipe Poitevine a été fracturé. 8 vélos ont été volés. Toutes les précautions ont été prises, il y avait eu une alarme sur le camion. Voilà, on est assuré pour le vol, on essaye de le rendre au minimum du possible, mais bon, on sait toujours qu'il y a un risque. Là, l'Italie, c'est toujours une zone à risque pour le vol, et malheureusement, on n'a pas pu éviter le vol. Montant du préjudice, 50 000 euros, et un délai minimum de 3 semaines avant de recevoir de nouvelles montures à régler par les mécanos. Aujourd'hui, l'équipe cycliste lance un appel sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver les vélos volés, sans grand espoir. Les vélos seront certainement revendus, soit à des personnes dans des pays étrangers, donc c'est juste de prévenir la communauté que les vélos ont été volés et que si jamais on a le moindre indice de savoir où est-ce qu'ils ont pu partir, de pouvoir les retrouver. En attendant, 3 des 6 cyclistes engagés sur les 3 jours de la panne prendront le départ jeudi sur leur vélo d'entraînement.